Welcome to this episode of Meet the Leader, brought to you by the Wangozi Institute. I am your host, gomaka Kifukwe. On this edition of the program, we're extremely honored and privileged to be here in Praia, Cape Verde, at the Pedro Pires Institute for Leadership, where we'll be discussing with His Excellency Pedro Pires, former president of Cape Verde, as he reflects on his leadership journey and the leadership lessons he wishes to pass on to future generations. We hope you enjoy this program. Welcome to the program. Just to begin, how do you define leadership and what it is to be a leader? Tout d'abord, euh, je voudrais dire que je suis honoré de faire partie de, de ces interviews à propos du leadership en Afrique. Et le leader, bon, oh, le leadership, je le vois comme une capacité personnelle de d'amener de les autres à, à participer dans un projet quelconque, soit projet politique, soit économique ou d'autres. Le, le, le leadership, c'est cette capacité qui nous permet de mobiliser les gens, les volontés pour participer dans une action, dans un projet, dans dans un programme qui a un sens. On n'est pas leader pour être leader, mais on est leader pour atteindre un objectif, un projet, un programme. C'est comme ça que je vois l'exercice du leadership, euh, je vois euh, le leader. Le leader, en principe, il fait partie d'un du, groupe. Ce n'est pas quelqu'un mystérieux qui arrive, mais quelqu'un qui émerge pendant l'action, pendant le développement du, de, 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 de ce programme, du processus de, bon, de développement de prendre forme, prendre conscience euh, de, de ce programme. Alors, le leader ne vient pas de, de loin, du dehors, le leader émerge du dedans de ce processus. Euh, comme ça que je vois l'émergence le, d'un leader et l'émergence d'une leadership en tant que partie d'un... In terms of other leaders around the time when you were kind of formulating your own leadership vision and subsequently when you became a leader, are there any that inspired you, that really you thought of as people to look up to and learn from in terms of becoming a good leader? Yes, certainly. Because when are in an organization, in a project, there are others. qui sont arrivés, arrivés avant nous, euh, comme c'est le cas. Donc, dans mon cas, oui, je suis rentré dans un mouvement de libération nationale, il y avait le, les leaders et celui qui exerçait le leadership. Euh, notre leader qui a, a eu un, un, une influence sur tout le monde presque, c'était le... Le chef de notre organisation, c'était Emilcar Cabral. On, on a appris beaucoup avec lui, avec euh, sa façon de voir les choses, sa, so, so, sa méthode de direction, en même temps sa, sa, son attitude, sa posture. En tant que leader, en tant que personne, en tant qu'homme, on prenait en compte. Ça aurait des influences sur nous, sur les autres. Mais quelle serait leur qualité ou leur attitude qui a eu plus grand impact dans notre comportement et dans notre vision aussi de ce qu'on faisait C'était surtout son engagement deuxièmement, son éthique son éthique pédagogique, son éthique politique, euh, son sens de dignité, de devoir, de l'effort, tout ça ensemble formait une façon de diriger. En même temps, il y avait, il avait, il avait une qualité très, 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 très importante, c'est de mon point de vue, c'est le suivant. Chacun de nous avait notre personnalité. On n'était pas un de plus, un chiffre, mais une personne avec ses, ses, ses qualités, avec sa personnalité. Euh, le, le leader, dans ce cas-là, doit euh, reconnaître dans l'autre euh, lui-même euh, une personne avec euh, des devoirs, mais avec des droits avec de la dignité. La question de la dignité, c'était une question très, très, très importante dans la méthode de leadership d'Amilcar de Cabral. Donc, pour tout cela, quelqu'un qui nous poussait à que chacun puisse avoir et prendre en compte ses responsabilités. C'était une méthode que, ou une façon de voir, de faire les choses qui stimule la responsabilité, la participation responsable des autres. C'est comme ça que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Nous, euh, comment euh, On ne commence pas en tant que leader. Euh, on ne commence pas en tant que leader, on commence en tant qu'un un, 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 un membre, un participant, un, 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 disons un, un militant de la cause pas en tant que leader euh, le, le leadership la condition de leader vient après pendant notre action pendant nos, nos engagements pendant notre travail pendant le bon l'action c'est pendant l'action que le, le leader se manifeste, et pendant l'action qui vient aussi le, le besoin, la nécessité du leadership. Donc je vois le leader euh, en tant que quelqu'un qui commence comme toutes les autres, mais qui manifeste un plus grand engagement qui manifeste des qualités pour, Avoir a function de, de direction, de conduction de second fait du, du projet du, du processus uh, d'un mon cas de liberation national. So, at, at what point uh, did you become kind of conscious or were you ready or interested in or willing to, to, to become a leader? You know, how. How did you know that this was something for you that that you wanted to or you were going to become a, a leader? What where does that journey begin? Oui, oui je je comprends. Quel est le, quel a été le moment ou la situation? Je disais il y a une chose prendre en compte que très important que le leader se forme dans l'action Dans les rapports avec les autres, j'ai découvert euh, à travers de diverses situations, des situations de quelquefois délicates, que les, les gens me faisaient confiance. Quand j'ai découvert que les gens me faisaient confiance, donc euh, j'ai pris la conscience. Que, de, que mes responsabilités étaient plus grandes. J'ai pris conscience de mes responsabilités. J'ai pris conscience que les autres attendaient de moi euh, des, des, des attitudes, des décisions, la façon de faire différemment. Donc, à partir de cela, moi-même, j'ai pris l'idée, bon, si les gens me prendre en compte si les gens me considèrent un dirigeant donc un leader euh, c'est obligatoire pour moi que mon comportement mon engagement soit plus fort plus correspondant euh, à la confiance et à la, 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 l'expectative des autres donc, c est, c est... donc il ne fallait pas faillir il fallait continuer, il faut faire des efforts, il faut montrer que ils pouvaient, les autres pouvaient euh, manifester ou prendre en compte, euh, manifester leur confiance, que moi j'essaierai de faire le mieux. Donc on, a, on gagne la confiance euh, des gens, de nos partenaires, et en même temps, nous sommes en tant que, dans cette nouvelle situation, dans cette condition où les gens nous font confiance. Il faut que nous-mêmes, nous, nous, nous soyons plus engagés, un plus grand, euh, une plus grande participation, un, un compromis plus fort avec euh, le projet, avec euh, euh, notre organisation et, 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 et nos combats. So I want to ask you a question that's slightly different, and we don't want, really want to focus on on the politics, but in 1991, you're the prime minister and your party loses the election. Now you later went on to win another election, but what did that defeat teach you or what, lesson, what lessons in terms of leadership lessons did you and your party draw from from losing that first multi-party election. Quand on perd, ou quand... On, quand nous sommes dans une situation où on a perdu des élections, euh, après 15 années de pouvoir en essayant de faire notre mieux, on pose la question, mais pourquoi euh, C'est là. Euh, J'ai essayé de comprendre euh, les gens. Il y avait des raisons valables, il y avait des raisons qui n'étaient pas valables, c'est plutôt euh, très subjectif. Quand vous êtes dans une société qui est pauvre, premièrement, euh, avec euh, mal informé, euh, c'est très compliqué de faire la gestion. Et garantir l'exercice du pouvoir pendant longtemps. Parce que pourquoi euh, Les sociétés plus pauvres, qu'est-ce qu'elles pensent elles, veulent, elles ont une mentalité immédiatiste. C'est tout de suite. Or, dans notre cas, je crois que les gens euh, ont fait l'évaluation de ce qu'on avait fait, de notre gestion, en donnant plus grande importance à ce qui n'était pas fait. Mais ils n'ont pas donné l'importance, les, les énormes choses qui ont été faites. Là. Il y a, il y a, il y a ce, cette analyse, les, les gens peuvent ne pas comprendre, oui, je sais, parce que moi-même, je ne pas comprendre <laughs> que après des années d'efforts, mais des progrès, des, 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 des changements énormes dans la vie des gens, mais en même temps, eux, ils, ils trouvent qu'on n'a pas fait le, le nécessaire. Mais il y, a, il y a cette contradiction entre ce qu'on a fait, qui n'intéresse pas tellement aux gens, ce qui, qui manque à faire. C'est le raisonnement. D'autres raisonnements, quand nous sommes dans une société, il y a des situations de disons, de, de conflits. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Chez nous, certainement, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec notre indépendance. Il y a eu un moment, il y a même des conflits d'ordre religieux, ceux, qui, ceux que, qui pensent que nous étions excessivement laïques moins religieux. Il ouais. euh, y a des facteurs divers, il y a d'autres, des gens que, parce que quand vous prenez, vous, vous, vous prenez le, le pouvoir, vous êtes en train de faire des réformes, changer les choses pour vous provoquer des changements, il y a des gens qui perdent du pouvoir, mais plutôt du pouvoir symbolique, pas le pouvoir matériel, mais le pouvoir symbolique. Or, les gens qui perdent le pouvoir symbolique veulent le récupérer. Donc, il y a des divers <laughs> conflits à prendre en compte. On n'analyse pas les, les, la, les, la, les réalisations, la gestion, mais on analyse, on analyse plutôt d'autres aspects, Bon, ceux qui manquent à faire, ceux qui, ont, qui avaient du pouvoir, qui avaient du pouvoir symbolique, qui avaient un certain... Une certaine position sociale et d'autres qui avaient d'autres pouvoirs qui l'ont perdu, ils ont fait un grand effort pour le récupérer en utilisant les arguments les plus divers. Or, quelle est le, 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 la situation même en Afrique C'est un conflit permanent entre le, les besoins immédiats. Et la programmation d'un le futur, les besoins à long terme, un projet immédiatiste pour résoudre les problèmes euh, du maintenant et un projet à long terme. Quelquefois, et maintenant, c'est une situation qui prévaut. Euh, chez nous, au moins, les gens veulent essayer le court terme. Or, quand on sait... Que le développement, le développement durable et d'autres ont besoin d'un soutien, l'accadrement d'un projet long terme. Donc, ce sont des conflits qui existent pendant la, la gestion, pendant l'exercice du pouvoir. On doit accepter que les autres puissent avoir une vision différente de la nôtre. Donc, c'est pas on a perdu le, les élections c'est pas parce qu'on n'a pas on a rien fait mais pour avoir beaucoup fait mais on a on n'a pas tout fait et les gens voulaient sont, sont penser que c'était si on change les autres pourront le faire mieux quelquefois on a on a besoin de changer les choses en essayant de voir dans cette pensée. Bon, on va voir s'il fait mieux. Donc, c'est le, le comportement humain, c'est la, la vision des gens. Donc, il faut essayer de comprendre cela. Je crois qu'en Afrique, même maintenant, nous sommes dans ce, ce dilemme. Le court terme ou le long terme De mon point de vue, il faut... Uh, prendre en compte et appuyer sur le long terme c'est le long terme que pourra nous apporter la, 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 notre vraie libération notre vrai développement do you believe that leadership in africa is different from the rest of the world or that maybe leadership is leadership and it's more a question of how and where it is practiced uh, le leadership c'est presque la même chose un peu partout. Mais il faut prendre en compte le contexte où vous exercez le leadership. Si vous exercez le leadership dans un pays riche, il y a une façon de voir les choses. Vous, vous n'avez pas besoin de sacrifice parce que vous êtes bien rémunéré. Mais si vous exercez le leadership, dans, un, dans une société pauvre, dans un pays pauvre, votre attitude doit être différente. Il faut faire des sacrifices, il ne faut pas exiger et attendre du pays ce qu'il ne peut pas vous donner. Donc du point de vue éthique, moral, il y a, y a des différences parce qu'il parce qu y a les différences des contextes, même euh, en Afrique maintenant, certainement. Il y a des différences d'attitude dans un pays moyennement développé, dans un pays moins développé, euh, selon le développement de... économique, social, euh, intellectuel et institutionnel. Bon, on ne peut pas mettre de côté le contexte, mais le fond du leadership, c'est le suivant, c'est le sens de compromis avec... Euh, la société compromis avec votre organisation et compromis avec le futur de votre pays ou dans le cas d'Afrique, le compromis du futur de l'Afrique. Le sens du compromis est être loyal à votre compromis, pas oublier le compromis et faire comme s'il n'existait pas. Le sens du compromis est comment doit être commun soit en Europe, soit en Amérique, soit en Afrique. Mais il y a des contextes où vous exercez votre, votre leadership. Vous voyez, moi, je ne peux pas demander d'avoir un grand bureau, parce que mon pays n'a pas cette possibilité de m'offrir ce, ce, ce grand bureau. Je dois rester avec mon petit bureau. Euh, mais quelqu'un qui, qui est dans un pays plus, plus riche euh, ne, ne se contenterait pas avec le petit bureau, voulait un grand bureau. Bon, je ne suis pas contre, mais moi je ne peux pas demander ce que euh, je n'ai pas la possibilité d'y arriver. D'autres questions, que c'est très important, c'est sont les expectatives. Quelquefois, on a des expectatives de la vie, des conditions de vie, euh, etc., qui, qui dépassent ce que nous pouvons euh, avoir, qui dépassent nos possibilités, nos capacités. Donc, il faut être réaliste et vivre dans des conditions que notre pays, notre société peut nous offrir sans se sacrifier. Donc, on, est, on doit être d'accord avec notre milieu, notre société, ses ressources, etc. In your opinion, what, uh, if anything, can, can other people and other leaders learn from, from you and from Cape Verde and, and, and from Africa when it comes to, to leadership lessons? What, what really can people sur okay, we, we la leadership plus généralement. En Afrique, je crois qu'il y a un préjugé défavorable aux Africains et, et à l'Afrique. De mon point de vue, ça c'est mon point de vue. Quelquefois, on pense ce qui vient de l'Afrique, c'est toujours mauvais. C'est ça qu'il faut briser. C'est ça qu'il faut corriger. Et voir l'Afrique d'une façon plus correcte, parce qu'on a fait du, des progrès. On a fait beaucoup de progrès. Si on fait la comparaison entre ce qui existait en 1960 et ce qui existe aujourd'hui en Afrique, on verra qu'on a fait des progrès. L'héritage colonial était excessivement lourd. Quelquefois, les gens disent, bon, c'est une explication, c'est ne pas prendre en compte nos responsabilités. Ce n'est pas le cas. Il faut toujours, pour analyser et évaluer un parcours, prendre en compte le point de départ. Or, le point de départ des États africains souverains a été compliqué, a été difficile. On sort du colonialisme où on n'a pas de personnalité, où on n'a pas de responsabilité. On a tout fait à notre nom. Il fallait changer tout ça, prendre en compte notre propre futur. Donc, ce changement de, de, de responsabilité n'a pas été facile, je crois. Le reste, le, la mise en place des institutions d'un État de droit plus moderne, aussi, c'est un processus complexe. On pense qu'on peut, on peut tout gommer et mettre sur pied des nouvelles institutions. Pas possible. Donc, il faut voir tout ce, ce, ce développement. Toute cette construction de nouveaux États souverains, c'était un processus très complexe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de responsabilité, il y en a. Mais il faut pas ignorer la complexité de la tâche. Ce que je dis, il faut prendre en compte la complexité des tâches. Mais en même temps, je crois que l'Afrique... Doit avoir une pensée plus indépendante, moins dépendante. Moins dépendante. Quelquefois, vous avez quelqu'un qui on invite, on invite une réunion, un sommet entre l'Afrique et tel pays. On invite, on fait une autre, une autre réunion avec l'Afrique. Non, non, non. Je crois que l'Afrique doit avoir ses propres projets, ses propres programmes. Savoir ce qu'il a besoin et avoir sa, sa, sa propre stratégie. Quelquefois, on est... On dépend de la stratégie des autres. Pourquoi Ils sont plus riches ou ils sont plus forts, etc. Donc, pour l'Afrique, je crois... Peut-être, c'est exigeant. Il faut que l'Afrique ait sa propre stratégie, sa, sa propre vision du futur, et, et organiser, structurer ses rapports internationaux, d'accord avec sa vision, d'accord avec ses propres intérêts. C'est là le, le, un aspect très important pour le leadership africain. Mais ce n'est pas facile, je vois, mais de toute façon, l'Afrique, en même temps, c est, est une réalité qui n'est pas homogène. Si vous regardez l'Afrique du point de vue territorial, du point de vue euh, culturel, du point de vue religieux, etc., vous, vous, vous verrez que l'Afrique est, est, est une réalité euh, complexe, est une ré réalité hétérogène, euh, pas homogène. Et il y a un effort à comprendre tout ça, et il y a un effort à faire pour garantir le, 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 le rêve ou le programme, l'unité africaine. Si l'Afrique est unie, elle sera plus forte. Mais même ce processus a ses difficultés, parce qu'il y a des intérêts des États, mais il y a l'intérêt des autres, qui ont des intérêts avec ces États. C'est tout ça qui serait nécessaire de passer et trouver une voie commune la plus consensuelle possible pour euh, faire marcher l'Union africaine et faire que les objectifs de l'Union africaine soient accomplis. Mais en même temps, quand vous regardez le continent, vous voyez qu'il y a des, 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 des problèmes, des conflits à régler. Il y a des nouveaux conflits plus complexes parce qu'il a... Euh, un rapport religieux au milieu. Donc, problème, mais émergent d'autres. Parce que nous ne sommes pas aussi isolés du reste du monde. Là, d'autres conflits arrivent chez nous euh, à travers des autres. Donc, comment faire la, le, la gestion de tout ça, le leadership de tout ça C'est ça, c'est le, le défi pour les nouvelles générations pour le les nouvelles leadership